Bonjour tout le monde, Marc-André Boudreau, Rasmussen de la BRC Bagotville. Pour aujourd'hui, je vous propose un entraînement en deux parties. Première partie, ça va être de la méditation, 3 minutes de méditation. Et par la suite, deuxième partie, on va faire mobilité au niveau des hanches. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, lisez les avertissements qui vont suivre. Bon entraînement. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Bonjour et bienvenue à cette méditation. Pour les 3 prochaines minutes, vous allez prendre du temps pour vous reposer, vous relaxer, pour être au moment présent avec vous-même. Je vous invite à prendre une position soit allongée, assis, que vous êtes confortable. Et vous allez débuter cette méditation par vous concentrer sur votre respiration. Prenez le temps de remarquer les différences entre l'inspiration et l'expiration. Remarquez la température de l'air, la circulation de l'air qui rentre dans vos narines, qui va poursuivre dans votre œsophage jusqu'à vos poumons, et le passage inverse lors de l'expiration. Je vous invite aussi à remarquer les mouvements au niveau de l'abdomen et de votre thorax. Donc, votre abdomen et votre thorax qui se gonflent lors de l'inspiration et qui se rétractent lors de l'expiration. Pour les 3 prochaines respirations, je vous invite à ralentir votre respiration, donc à inspirer et à expirer en 5 secondes. Pour la suite de cette méditation, on va passer à la partie de la visualisation. Vous allez vous imaginer soit en train de faire une activité, soit en train de faire quelque chose qui vous plaît, un sport, un voyage peut-être, toute chose qui vous rend détendu et confortable. Je vais vous inviter à imaginer cette activité du mieux que vous pouvez, mentalement. Essayez de reproduire les images mentales de votre activité, de manière à ce que l'activité se passe à une vitesse réelle, seconde par seconde, minute par minute. Je vous invite aussi, si c'est possible, à utiliser tous vos sens. Donc, essayez de remarquer pendant votre activité quelles sont les odeurs, les sons, au niveau du toucher, au niveau de l'ouïe, au niveau des 5 sens. Quelles sont l'activation de ces 5 sens pendant votre activité et les différences que vous pouvez porter pour chaque moment de votre activité selon les 5 sens? Si vous êtes en mesure de le faire, prenez le temps d'ajouter de la couleur à votre activité, de remarquer les détails. Pendant votre activité, si vous voyez des bâtiments, si vous voyez un adversaire, si c'est un sport, si vous voyez le matériel que vous avez sur vous, quoi que ce soit, prenez le temps d'imaginer le plus réellement possible les détails qui sont reliés à votre activité. Lentement,
je vais vous inviter à retourner votre concentration, ramener votre concentration sur votre respiration pour la fin de cette méditation. Donc, prendre trois grandes inspirations et expirations pour par la suite, tranquillement, lentement, à votre rythme, commencer à bouger les doigts, les orteils, poursuivre par bouger vos mains, vos membres. Vous pouvez vous étirer complètement. Faites-le à votre rythme. Vous en êtes rendu selon ce que vous vous sentez confortable de faire au moment présent. Et voilà ce qui m'a fait à la méditation d'aujourd'hui. Je vous invite à garder le même état d'esprit pour le restant de la journée. Soyez en paix avec vous-même et dans le moment présent. OK, gang. Premier exercice qu'on va faire, vous allez commencer par vous allonger sur le dos. Donc, comme ça ici. Première étape, vous allez venir contracter vos abdominaux, donc pousser votre nombril vers votre colonne vertébrale. On va commencer avec la jambe droite. On va venir placer la cheville sur notre jambe gauche, la cuisse. Puis, en poussant votre coccyx vers le sol, en gardant les abdominaux contractés, on va venir tirer notre genou vers soi. Maintenir 2 à 3 secondes et par la suite pousser le genou du côté opposé quand on a un maximum d'amplitude. Le dos doit rester en contact avec le sol quand on a un maximum d'amplitude. Vous pouvez maintenir 2 à 3 à 5 secondes et on va répéter ce mouvement-là 5 à 6 fois de chaque côté. Allez-y tranquillement, progressivement aussi, mettez une pression là, au niveau de votre genou. Progressive, sans douleur. On peut tolérer un léger inconfort, mais je répète toujours sans douleur. Donc, 3 répétitions complétées, 2 autres répétitions pour le côté droit. Pendant tout l'exercice, je garde mes abdominaux contractés, super important. Je pousse mon nombril vers ma colonne et je maintiens la contraction pendant tout l'exercice pour que le dos reste en contact avec le sol. Dernière répétition du côté droit. Je vais maintenir 2, 3, 4 et 5 secondes. Même principe lorsque je pousse sur mon genou. 3, 4 et 5 secondes. Tranquillement, on va relâcher, venir placer la jambe droite au sol. J'ai contacté mes abdominaux et croisé ma jambe gauche sur ma cuisse droite. Et on va procéder de la même manière. Donc, premièrement, on va venir tirer le genou vers soi. 3, 4 et 5 secondes. Pousser du côté opposé. 3, 4 et 5 secondes. On tire le genou vers soi. 1, 2, 3, 4 et 5. On a 2 répétitions de compléter. 3, 4 et 5. On va mettre vers soi. 1, 2, 3, 4 et 5. On pousse du côté opposé. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude à chaque répétition. Si vous sentez que c'est possible, sinon on fait tout simplement garder la même amplitude de mouvement. 4 répétitions, une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, et on pousse dans le sens opposé. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain exercice, vous allez vous placer en position fente comme ça ici. Là, ce que je vais vous demander, c'est d'allonger votre colonne vertébrale. Une fois de plus, de pousser là, votre nombril vers votre colonne. Le genou avant va rester en ligne avec la pointe de pied, puis je vais venir contracter ma fesse gauche à l'arrière. Puis on va venir pousser les hanches, maintenir 3 à 5 secondes. Je vais pousser les hanches vers l'avant. Par la suite, on relâche tranquillement. Je garde mes fessiers et mes abdominaux contractés. Même lorsque j'enlève la tension au niveau de ma hanche. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude à chaque répétition. Donc, observez surtout la posture de mon bas de dos qui reste neutre.
C'est super important, donc on veut éviter de courber le dos. Comme je viens de le faire, on regarde ça bien droit. On va faire 5 répétitions d'un côté et 5 répétitions de l'autre côté par la suite. C'est toujours d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude à chaque fois si possible. Je m'assure que mon genou à l'avant soit en ligne avec ma pointe de pied. Et je peux venir placer aussi mon menton en faisant un L avec mon pouce et mon index. Et dernière répétition. Pour le côté gauche, par la suite, on va faire le côté droit. Et vous relâchez tranquillement. On alterne. Donc, jambe droite au sol, jambe gauche à l'avant. Je contracte mes abdominaux en premier, mes fessiers. Et je vais venir pousser mes hanches vers l'avant, comme ça ici, en diagonale. Comme si je voulais aller déposer mes hanches au sol, tout en gardant une bonne posture. On maintient 5 secondes, on relâche. Deuxième fois, même principe. 4 et 5 pour 5 secondes. Deuxième répétition. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez sentir l'étirement là, dans la partie avant de la hanche, les fléchards de la hanche. Fait que la partie ici là, de la hanche, c'est là qu'on va venir étirer. Surtout lorsqu'on contracte les abdominaux, c'est là que l'effet d'étirement là, va être encore plus grand. C'est super important de garder le dos droit aussi. Dernière fois pour 3, 4 et 5. Et vous relâchez tranquillement. Et voilà pour le deuxième exercice. Prochain exercice, vous allez vous asseoir au sol. Comme ceci, placez les pieds, les pieds pointés vers les orteils pointés vers le haut. Les pieds plus larges que la jambe des hanches, comme ceci, super important aussi de garder le tronc droit. Donc, si c'est difficile, vous pouvez placer vos mains au sol. Placer comme il faut sur mon tapis. Donc, je garde le tronc droit, abdominaux une fois de plus toujours contractés, super important. Et vous allez venir tourner les hanches et les jambes d'un côté comme ceci. Vous voyez mon tronc qui suit? Donc, on va maintenir quelques secondes comme ceci. Vous pouvez garder les mains au sol ou le faire sans les mains comme ça ici. Une fois de plus, là, sans les mains, ça va demander une bonne contraction au niveau des muscles là, du tronc. Comme ça ici. Donc pour la deuxième répétition, on va juste venir incliner le tronc vers l'avant et maintenir 3 secondes. Relâcher par la suite. On va alterner, changer de côté. On peut placer une main au sol pour nous aider. On incline le tronc, on garde la colonne allongée, mais on incline le tronc vers l'avant, ça va venir tirer dans notre fesse en arrière, ici, au niveau du bas du dos. Pas plus, on maintient 3 secondes. On relâche de l'autre côté, on tourne de l'autre côté. On incline tranquillement vers l'avant. On peut changer un peu l'angle aussi qu'on va aller chercher, fait que ce soit un petit peu plus vers la droite ou vers la gauche. On relâche tranquillement. Côté. On va faire 5 à 6 répétitions de chaque côté. Une fois de plus, je m'assure que mon tronc est complètement allongé, bien droit. J'incline vers l'avant une fois de plus. Si je suis en mesure, je peux venir mettre mon coude le plus loin possible ici, tout en gardant mon tronc droit. Lorsque je fais l'étirement, je prends le temps d'inspirer, de faire de longues expirations. Dernière fois de chaque côté. N'hésitez pas à mettre une main au sol lorsque vous faites la transition. C'est super important. Je préfère ça que vous rondissez le dos, que vous ayez une mauvaise posture pour prévenir là, toute douleur ou quoi que ce soit, toute blessure. Et vous relâchez. Et voilà. Pour le dernier exercice, vous allez avoir besoin d'une canne de conserve ou d'autres objets à peu près de cette hauteur-là. Vous allez placer la canne de conserve ou l'objet au bout ou vos pieds. Puis là, ce que je vais demander, c'est d'avoir une jambe fléchie puis de garder une bonne posture au niveau de notre bassin. Fait qu'on ne veut pas rondir le dos pendant qu'on fait l'exercice. Donc, une fois de plus, j'engage. Je contracte mes abdominaux, je vais garder une bonne stabilité au niveau de mon bassin. Je vais tout simplement venir lever la jambe et lentement, en contrôle, la passer par-dessus l'objet
par-dessus la canne de conserve. Vous allez faire 5 à 6 répétitions lentement de chaque côté. 3 répétitions de compléter. Quatrième. Fait qu'une fois de plus, là, je mets l'accent là, sur une bonne posture du bassin et le dos complètement appuyé sur le sol. Vous pouvez placer là, vos mains sur les crâniaques, sur les hanches ici, pour vous assurer que votre bassin ne se déplace pas pendant le mouvement. Donc, côté droit de compléter. Même principe avec le côté gauche. Fait que je contracte mes abdominaux, je vais venir fléchir ma jambe droite. Et tout en contrôle. Passer ma jambe gauche par-dessus la canne de conserve de 5 à 6 fois. Donc, comme vous voyez, là, je garde un rythme, une vitesse de mouvement assez lente. Je dirais là, entre 3 et 4 répétitions, entre 3 et 4 secondes pour chaque répétition, pour m'assurer d'être capable de contrôler ma posture. Une dernière répétition. Et voilà pour le dernier exercice pour aujourd'hui. Merci beaucoup.